suis visuel, non? Si, je suis visuel! Je suis un vrai cartoon! Je suis monté sur roulement à billes, on m'appelle la femme élastique! C'est pour ça que la télévision me demande beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je passe très bien à la télévision. Allô? Je vous appellerai de temps en temps, hein? C'est très important, la télévision, dans nos métiers. Bien sûr que oui, faut que vous nous voyez un petit peu à la télévision, vous dire « Ah tiens, celle-là, elle est marrante, je vais aller voir un spectacle. » Hein? D'ailleurs, je vais bientôt faire l'émission de Toute une histoire, là, de... Sophie Davant. Sophie Davant, oui. Toute une histoire, tu vas Toute faire? Toute une histoire, oui, oui. D'ailleurs, cette émission, vous savez, c'est les gens se racontent un peu, se confient. Oh, l'autre jour, il y avait un Belge, il disait « Avec mon fils, on a le même amant, est-ce qu'on doit vivre avec ma femme ?» C'est incroyable, alors il y a une dame qui disait « Mon mari a de gros besoins sexuels. Ma mère m'aide un peu, mais ça met une mauvaise ambiance à la maison. » Alors évidemment, on travaille sur mon profil, bah oui. Je peux y aller comme ça, alors j'ai déjeuné avec l'assistant, un type très sympa, très compétent, un gars de la télé, quoi. Bon. Il me dit « Alors là-dessous, racontez-moi. » Ben, j'ai 20 ans de théâtre, des séries télé, des jeux, des pubs, des films, des émissions, hein, des années bonheur, des grands cabarets avec Patrick Sébastien. Oh, j'adore, c'est bon, c'est drôle, c'est génial. Ça va pas, mais t'as picolé la cafétéria ou quoi? Ben, oh, c'est génial. Bon. Alors bon, et elle me dit « Oui, Chantal, vous me faites beaucoup rire, mais vous n'avez pas une histoire un peu trash, un peu glauque, un peu hard, un peu crade, quoi, raconter sur votre vie à la télé, un truc qui intéresse les gens. » J'ai vu « Qu'est-ce que vous voulez que je raconte sur ma vie ? Tout est clair. » Il me dit « Cherchez bien, Chantal, consanguinité, maltraitance, crime, escroquerie, viol, racisme, inceste. » J'ai écouté, excusez-moi, mais rien de tout ça. Mais ça va pas le faire, Chantal, écoutez. Vous n'avez pas un parent pédophile comme tout le monde ?» Non, écoutez, non, rien du tout. Enfin, Chantal, ça va pas le faire. Vous n'avez pas un grand-père détraqué. Parce que ça, un grand-père détraqué, ça fait un bon audimat, c'est bien. Puis mon grand-père, mais il était adorable, mon grand-père. Il adorait les chats, il en avait 5. J'ai une ouverture, me dit-il. Il était zoophile, votre grand-père. 5 chats, hein, 5 doigts, il faisait des marionnettes pour les enfants. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, ça peut faire le début de l'émission, Chantal, mais il faut développer un petit peu. Ah ben oui, zoophilie, blocage, dépression, c'est la base. Sinon, on prend pas. Ça nous intéresse pas. Faut faire un peu rêver les gens maintenant, Chantal. Je savais pas qu'il fallait enculer un chat pour aller à la télé. Vous le saviez ou quoi? Il me dit, qu'est-ce que vous croyez, Chantal, en face, il y a du lourd, Claire Chazal et son nouvel amant, Madame de Fontenay, qui vient de s'acheter un nouveau maillot de bain pour se représenter elle-même au Miss. Adamo, qui serait fait violenter par son orang-outan dans son camping-car. J'aurais jamais cru ça de l'orang-outan. Je vais regarder parce que j'aime bien Adamo, voilà, c'est un gars que j'aime bien, je vais regarder. Il me dit, vous voyez que ça intéresse? Puis là, il me dit, Chantal, je viens d'avoir en vous regardant une idée géniale. Si vous faites ce que je vous dis, vous allez faire un carton. Mais c'est quoi? Vous allez répéter après moi. Je m'appelle Jean-Pierre Latsou. Je suis transsexuel. Et j'ai le sexe qui traîne par terre. J'en suis là, les gars. Si je rajoute anorexique et drogué, je peux peut-être faire Mireille Dumas. C'est vraiment dommage que mon grand-père n'ait pas été zoophile. J'aurais pu faire le 20h tous les jours, moi. Faut que je m'entraîne, attention, ça va pas être facile. Hein. Je m'appelle Jean-Pierre Latsou. Je suis transsexuel et j'ai une grosse bite. Voilà. Chantal Latsou. C'est énorme. C'est énorme.